Bien, salut à tous et à toutes, c'est Jazz Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tuto comment réussir en solo le Caillou Perico et faire le défi Elite. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Déjà merci déjà pour les retours que j'ai eu sur mon premier tuto. Voilà, j'ai pu voir, j'ai pu constater que dans les commentaires ça vous a plu. Là je vais tout vous expliquer pour le petit tuto. Du coup là on va commencer par faire la recherche de renseignements parce que je l'ai pas faite encore. Et on se retrouve tout de suite, et bien heureux. Voilà, nous nous retrouvons sur l'île. Dès que vous avez terminé les petites étapes juste avant pour le repérage. Je pense pas que ça je dois vous le montrer, je pense que c'est assez simple. Vous devez juste aller chercher l'avion et venir jusqu'au point. Ensuite, arrivé ici, je vais vous montrer le chemin à prendre pour aller jusqu'à l'objectif principal. En tout cas, pour aller jusqu'à la tour et voir ce que vous aurez pour votre braquage. Donc je vais mettre la partie en accéléré et on se retrouve dès qu'on est à la tour. Et voilà, nous sommes arrivés et ici, vous allez attendre ici, vous allez attendre que la personne à la tour se retourne, donc qui regarde vers là où vous devez passer. Vous allez attendre et dès qu'il se re-retournera encore, on pourra y aller. Là, vous voyez là, la personne s'est retournée, elle regarde là, donc je ne peux pas passer. Donc là, ici, vous attendez. Allez, on est parti, tu peux te retourner, s'il te plaît. Ah là là. Voilà, et là je remets le moment en accéléré. Et voilà, nous sommes arrivés à la tour de contrôle. Donc une fois arrivé ici, vous allez devoir soit monter tout en haut, soit le panneau de contrôle est en bas. Là en l'occurrence, le panneau de contrôle n'est pas en bas, donc vous allez devoir monter. Et voilà, nous sommes devant le panneau de contrôle. Donc comment réussir à pirater le panneau de contrôle? C'est très simple. Alors, là on doit être à 29. Donc dites-vous que si là on va sur le X, ça va faire 40. Donc 4 à 40. Vous voyez, on est à 40. Ça, c'est juste le chiffre normal quand il y a les deux barres. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est mettre le 2 sur le X. Comme ça, nous sommes à 20. Et ensuite, vu que les deux... c'est juste le nombre simple, et bah on a juste besoin de faire ça et nous sommes à 29. Parfois aussi vous pouvez tomber sur une barre avec deux autres barres, ça c'est pour dire en gros que c'est x2 quoi. Donc ensuite vous allez dans votre téléphone, vous allez dans le petit logo violet en bas à droite. Là on attend que ça charge du coup. On va voir du coup ce qu'on va avoir. J'espère pour vous que dans la... que faut espérer après que dans le bureau d'El Rubio il y ait un tableau. Comme ça au moins bah, ça vous fait de l'argent en plus. J'espère qu'on va avoir un bon truc. Oh bah, oh bah, deux fois de suite, le diamant rose, c'est parfait. Let's go. Ça on s'en fiche. Là il faut regarder dans le bureau quand on est en solo. Donc est-ce qu'on a un tableau? Parfait, on a un tableau en plus. C'est génial. Le braquage va être beaucoup rentable. Et voilà. Donc là, là pour en solo, parce que là on fait pas le braquage pour être à 2 ou 3. Là en solo, là vous pouvez vous arrêter à là. Il faut juste que vous repériez l'objectif principal. Et ensuite, s'il y a des tableaux dans le bureau d'El Rubio. Donc là je vais mettre le moment... en accéléré, mais juste avant je vais vous montrer
Donc, après vous avez localisé la tour, vous devez aller à cet endroit-là exactement sur la carte. Et ça, c'est pour après, dès que vous aurez pris l'objectif principal. Donc, je vais mettre le moment en accéléré. Voilà, nous y sommes arrivés. Donc, ensuite, vous allez attendre ici. Voilà, donc, voilà, c'était très rapide. En fait, vous attendez que la personne ici parte. Et ensuite, là, vous allez venir à cet endroit. Et là, ici, à cet endroit, vous allez prendre en photo ce qu'il y a sur les tables. Là, en l'occurrence, moi, personnellement, j'ai de la chance. C'est du cannabis, ce que j'ai. Juste là, sur la table de gauche. Et ensuite, dès que vous avez pris la photo, vous faites carré. Et comme ça va envoyer la photo à Pavel. Pavel donc qui va vous aider à faire le braquage. Voilà. Et ensuite, vous allez vous diriger là où je vais me diriger. Et à cet endroit exactement, il y aura l'autre partie que vous allez devoir vérifier. Bien évidemment, il faut faire gaffe à la personne là qui circule devant. Donc là, vous attendez qu'il marche un petit peu. Voilà. Dès qu'il est parti, vous venez à cet endroit. À cet endroit, il y aura l'autre partie à découvrir. Donc, une fois de plus, j'ai du cannabis, donc c'est parfait. Je pourrai prendre le tableau et le cannabis. Mon braquage va être rentable. Hop, et l'argent, je peux prendre en photo, mais avec le tableau et les deux cannabis, je pense que ça sert à rien, mais je le prends quand même. On sait jamais, comme quoi, s'il y a un bug ou quoi, vous pouvez toujours vous rabattre là-dessus. Et là maintenant vous faites repérer vu que vous avez tout localisé. Et on se retrouve tout de suite pour la prochaine partie, pour les prochaines missions à faire. Et voilà re, donc nous sommes de retour dans notre Kosatka. Donc pour tout vous expliquer, les missions préliminaires, vous allez devoir faire le véhicule d'approche, trois matériels et une seule fois l'arsenal. Le perturbation ne vous servira à rien. Donc dans le véhicule d'approche, nous ce que nous allons prendre c'est le Kosatka. Donc là je vais faire la mission et on se retrouve ensuite pour les prochaines étapes. Donc je vous retrouve pour la mission du Kosatka. Je vous conseille de voyager avec votre Kosatka et ensuite vous allez le conduire jusqu'à l'objectif. Parce que si vous y allez en hélico ça va être très compliqué pour vous. Donc je vous conseille de conduire le Kosatka jusqu'à l'objectif. Et vous allez vous diriger juste ici. Vous allez utiliser ceci pour vous débarrasser des bateaux et de l'hélico, comme ça après vous serez tranquille pour entrer dans le Kosatka. Une fois que vous avez fait ça, je vous conseille d'aller chercher votre tenue de plongée. Personnellement, moi c'est ce que je fais à chaque fois. Tenue de plongée qui doit se trouver juste ici. D'ailleurs, pour faire les missions aussi, je vous conseille d'acheter le Sparrow, hein, ça va bien vous être utile pour faire toutes ces missions. Et voilà, on se retrouve tout de suite dès que j'ai terminé la mission. Voilà, nous sommes de retour après la mission du Kosatka. Donc, c'est la seule mission que vous devrez faire. Ensuite, vous allez passer au matériel. Donc, vous allez faire le découpeur plasma, le duplicateur d'empreintes et le chalumeau. Le charge explosif, vous ne le faites pas. Ça ne servira à rien, sauf si vous voulez vous faire repérer. Mais je ne pense qu'on... voilà, quoi, je pense qu'on veut pas. Donc, ce sera les trois missions que vous devriez faire pour le braquage. Donc, on se retrouve dès que j'ai terminé les missions. Donc, après les trois missions de matériel terminées, comme vous pouvez le voir, il vous restera plus qu'une mission, ce sera l'arsenal. Donc, vous avez plusieurs types de classes qui vous sont proposées, des classes d'armes. Donc impérativement vous prenez le silencieux, vous le payez, c'est pas une mission, vous devez payer 5 000 $. Je vous conseille personnellement comme classe tireur d'élite. À la R, franchement, vous faites le taf pour mettre des têtes, c'est ultra facile. Donc impérativement, voilà, vous oubliez pas le silencieux. Et moi personnellement, je vais faire la mission
Tireur d'élite et on se retrouve juste après ça. Les missions préliminaires sont terminées. Donc comme vous pouvez le voir, on a notre Kosatka, on a les trois matériaux qu'on aura besoin et on a notre arsenal avec le silencieux. Donc là vous allez dans la phase finale, vous allez en bas à droite de votre écran et vous faites commencer. Voilà, donc arrivé ici, vous mettez tout ce que vous avez besoin, tac, le Kosatka, là, le tunnel d'évacuation, là, encore le Kosatka, le créneau horaire, ça vous mettez ce que vous voulez, moi personnellement je le mets en jour, et ensuite là vous pouvez commencer. Donc si vous avez besoin de savoir où se situe le tunnel d'évacuation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que tout ça se fait dans le repérage, voilà. Il faut prendre en photo un endroit ou même juste passer à côté et Pavel du coup va vous le mettre du coup. Donc dites-moi s'il y a des choses auxquelles vous voulez que je vous explique dans une autre vidéo, quoi que ce soit, s'il y a des choses que vous avez mal compris ou quoi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là à partir de ce moment-là, là je ne ferai plus de cut, j'ai juste accéléré certains moments. Donc là on se retrouve tout de suite devant le grillage. Voilà, là nous sommes partis pour utiliser le chalumeau, donc let's go. Et voilà, nous sommes partis. Donc là, suivez attentivement le chemin que je vais prendre, c'est pour vous faire gagner un maximum de temps dans cet endroit, vous allez voir. Donc tac, vous faites demi-tour, vous prenez les escaliers, hop, vous courez sur toute la ligne droite, vous faites attention que les ennemis ne vous voient pas. Vous passez ici. Ici, il y aura une personne à tuer, donc pas de panique. Hop là, une petite tête et c'est terminé. Ensuite là vous faites attention ici, lui vous lui mettez un coup de crosse, voilà, vous montez tout en haut, lui vous allez l'attendre, vous allez lui mettre un coup de crosse, voilà. Arrivé dans le bureau d'El Rubio, n'oubliez pas de prendre le petit coffre fort, voilà ça vous fait toujours de l'argent en plus. Allez un petit... Ok, 62 000, ça va. Ensuite, vous prenez votre tableau. Let's go. La fausse Joconde version Wish spécial GTA, voilà. Qui va vous rapporter normalement plus de 200 000. Ce qui vous met très bien, d'ailleurs. Hop là. Parfait. Ensuite, on va passer au piratage. Pour ceux qui ne savent pas pirater, n'hésitez pas à aller sur la vidéo tuto des empreintes pour Caillou Perico qu'il y a sur ma chaîne, comme ça au moins vous pourrez braquer, enfin vous pourrez faire ce braquage. Et voilà, go aller chercher le diamant rose. D'ailleurs le Caillou Perico faites le en difficile pour le défi élite, parce que si vous faites le Caillou Perico en normal, si vous réussissez le défi élite en normal, vous gagnerez que 50 000, alors que si vous faites le défi élite en difficile, vous aurez 100 000 $. Donc faites en sorte d'être à l'affût quand Pavel vous appellera. Comme ça, franchement, vous n'avez pas craché sur 100 000. Hein. Hop là. Et voilà, maintenant, let's go sortir de la villa. Donc nous on a le trousseau de clé, mais je vais vous montrer comment sortir sans utiliser le trousseau de clé.
vous allez faire en sorte de passer par là. Voilà, vous allez monter les escaliers. Et vous allez l'attendre, tac, coup de crosse. Lui, vous allez attendre qu'il revienne vers vous. Allez, dépêche-toi de revenir, mec. C'est très long, hein. Je suis désolé, hein, c'est les bots, ils mettent du temps, je sais pas pourquoi. Il vient ou il vient pas, là? Voilà, il vient, vous l'attendez. Hop, petite tête. Voilà, maintenant là, vous allez enchaîner. Tac, lui aussi, une petite tête. Là, il vous restera deux ennemis à vous faire. Donc lui, je vous conseille de l'attendre. Comme ça, il va pas alerter son pote. Pour ceux qui sont pas très confiants et que vous voulez être dans une bonne ligne de mire pour le tuer, vous vous mettez là, vous l'attendez. Et là... Hop là, petite tête. Et lui aussi. Hop là. Et là, vous pouvez sortir de la villa. Donc là, à partir de là, je vais vous mettre en accéléré ce que vous allez devoir faire. Voilà, vous venez ici, c'est l'endroit où on a pris en photo. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est simple. La personne là qui est ici, vous allez devoir la tuer. Là, en l'occurrence, là, je peux pas. Ah si, quoique si, je peux. Voilà. Ensuite, il y aura cette personne là aussi à tuer. Donc visez bien la tête. Et normalement, les deux autres zigotos, vous n'avez pas besoin de les tuer. Vous passez ici. Vous venez prendre le cannabis. Ce n'est pas terminé. Ici, il y a une personne là que vous allez devoir vous faire... Enfin, vous faire la tuer. Cette personne là, vous avez la tête. Hop là. Ensuite, vous allez à l'autre endroit. En passant aussi, vous allez tuer... la personne qui est ici pour après, vous inquiétez pas, cette personne elle ne bougera pas, vous vous visez la tête, hop là. Ici aussi il y a une personne, vous remontez, hop là. Ici vous allez finir de remplir votre sac avec le cannabis manquant. Là-bas, il y a une personne que vous allez devoir tuer, du coup. Donc vous avez le choix de soit repartir à la nage, même si ça va être long. Au moins, vous êtes sûr de finir sans vous faire repérer ni rien. Soit vous allez tuer les deux ennemis qui sont côte à côte. Donc je vais vous montrer comment. Il faut être rapide pour tuer les deux ennemis. Donc une fois arrivé là, vous allez tuer lui et lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Franchement, si vous y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave. Vous y arriverez avec de l'entraînement. Hop, vous montez sur le bateau. Et là, dernière chose avant de finir le braquage, vous allez devoir attendre de voir où est le bateau ennemi qui est ici. Donc en l'occurrence là je peux me permettre de passer, il est de l'autre côté. Et voilà, vous avez terminé votre braquage en solo avec le défi Elite.
On se retrouve tout de suite pour voir le défi élite. Vous allez voir ce qu'il faut réussir. Après être parti de Cayo Perico. Donc là, on va voir combien j'ai d'argent. Donc là, on l'a réussi du coup. Donc ça, c'est tout ce qu'il y avait sur la main, voilà, cumulé. Ça, c'est notre part à nous. Et là, vous allez voir du coup ce qu'il ne faut pas rater. Donc, il faut finir en moins de 15 minutes pour avoir le défi élite. Il faut échouer 0 piratage et avoir son 5 plein. Et aussi, ne pas relancer son braquage, sinon le défi élite, vous ne pourrez pas le faire. Voilà, c'était tout pour moi. Donc si le braquage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas compris ou que vous voulez que je teste ou quoi que ce soit dans une prochaine vidéo. Et puis je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao.